Aujourd'hui, je vais devoir finir Minecraft, mais je peux casser de la bedrock. Alors non, c'est pas une blague, je vais vraiment pouvoir casser la bedrock et crafter des items incroyables. Donc ces items vont m'aider à finir Minecraft, donc je sais pas si je vais vraiment y arriver, mais en tout cas, on va essayer. Ah, j'espère que ces items vont bien m'aider. En tout cas les gars, boum, voici la liste des derniers abonnés à la chaîne. Si tu veux apparaître sur cette liste, bah t'as juste à t'abonner. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord dans la description. Et sur ce, on peut commencer la vidéo. Ok les gens, du coup, on se retrouve directement en jeu. Et comme je vous l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui je vais pouvoir casser de la bedrock et me faire des items incroyables. Et d'ailleurs on a spawn à côté d'un village, ça c'est vraiment bien. En vrai j'ai hâte de voir ce que ce datapack va donner. Mais en attendant on va commencer par directement couper du bois, c'est parti. Parfait, on a 13 de bûches, c'est assez suffisant. On a un petit peu de gravier ici, pourquoi pas directement se faire le petit flint facilement comme ça, ça pourrait être cool. Hop là, merci beaucoup. La table de craft, boum et doing. Et c'est parti, on se fait directement les outils en cobble, c'est parti. Et voilà tous les outils en cobble, let's go. Et d'ailleurs j'ai oublié de préciser que je ne sais pas trop ce qu'il va y avoir dans ce mode. Je connais juste tous les crafts, mais je sais pas qu'est-ce que font ces items. Tout ce que je sais c'est qu'ils sont ultra cheatés et qu'ils vont bien m'aider durant cette survie. Vous connaissez la chanson, on récupère directement du foin dans le village. Et là on a de la bouffe pour toute la survie, c'est parfait. Quasiment deux stacks de pain, c'est abusé. Le petit golem, et après ça on va pouvoir enfin commencer à faire des trucs intéressants. Bon désolé petit golem, mais tu vas mourir. Et boum. Bon, 3 de fer, c'est pas ouf. On se fait le saut directement, je le remplis d'eau et boing. Et maintenant il faut qu'on aille dans les grottes le plus rapidement possible. Il faut que j'arrive à récupérer de la displate cobblestone. Ensuite je la fais cuire et ça devient directement juste de la displate quoi, tout simplement. Et avec ça je vais pouvoir me faire la pioche qui va me permettre de miner de la bedrock. Enfin bref, je sais même pas pourquoi je vous dis ça, je vais vous montrer ça directement. Ok, ici on a une bonne grotte là, c'est parfait. Hop, petit MLG, voilà. Et juste ici il y a de la displate, c'est parfait. Je vais même pas récupérer le fer, on la récupérera plus tard. Ok, du coup on a juste besoin de 3 de displate, c'est parti, on va faire ça directement. Hop, il nous en manque plus qu'un, parfait. On récupère juste un de charbon, voilà. Je pose un four directement et hop, on fait cuire la displate cobblestone pour avoir de la displate. D'ailleurs on est à côté d'un mineshaft, c'est plutôt cool. Et du coup maintenant je peux me faire le premier craft, c'est la pioche en displate. Donc à première vue c'est une pioche assez normale, elle est quand même assez grosse. C'est quoi ce gros truc? Franchement c'est une pioche de bûcheron là, c'est quoi ça? Et du coup maintenant il faut qu'on descende jusqu'à la bedrock. Normalement ça devrait le faire. Ok parfait, on est devant de la bedrock. Oh, je suis passé à côté d'un peu de diamant, j'avais même pas vu. Bon, j'irai le récupérer plus tard, mais avant on va récupérer de la bedrock. Bon apparemment il faut que je me mette accroupi directement et là il se passe quelque chose. Je peux maintenant miner la bedrock, c'est parfait, regardez moi ça. J'ai 3 de bedrock dans mon inventaire. Je peux déjà me faire la pioche en bedrock, mais on va en récupérer beaucoup plus. Je pense qu'on va en récupérer un stack, comme ça on va être large, parce qu'il y a vraiment pas mal de craft qu'on pourra faire et vous allez voir c'est assez cool. Bon j'ai fait un trou vers le vide, comme ça je vais pouvoir jeter mes items inutiles, voilà parfait, ça c'est plutôt pas mal. Et hop je repose avec la bedrock et c'est bon, ni vu ni connu. Parfait, j'ai un stack de bedrock. Oh vraiment j'ai hâte de voir ce que les items vont faire. Alors déjà on a un premier item, je sais pas du tout ce que c'est, on va voir, j'ai juste le craft sous mes yeux, du coup on va essayer. Hop, ok, donc c'était le craft du minerai de bedrock. Bon bah on va commencer par se faire le premier outil qui est du coup je sais pas trop ce que c'est, voilà on met ça, hop boum, ok, un bâton en bedrock. Oh, what? Ok, ça a tout transformé en bedrock. Oh, et si je fais clic droit avec, je peux remonter à la surface comme ça facilement. Ça pose de la bedrock en dessous de moi. Par contre, c'est trop bien. Je pense que je vais pouvoir carrément voler grâce à ça. Parce que en posant des blocs en dessous de moi, c'est comme si je volais. Waouh! Ok, en fait, quand je sneak, ça fait une explosion et ça balance du stuff. Waouh, et c'est pas du stuff nul. Regardez, on a une pomme cheatée ici. On a une belle efficacité 4 mending and breaking. Non, mais c'est quoi ça? On a un arc infinity. Oh, let's go. On va garder la pomme de Nudge dans notre inventaire. Mais on a déjà du super bon stuff là. Mais c'est quoi ça? Et du coup je vais réessayer. Boum. Ok ouais, ça me redonne du stuff. On a même des underperles. J'ai une pioche en fer fortune 3 aussi. Ça ça peut être vraiment bien. Mais là du coup on a déjà du hyper bon stuff. Du coup pour résumer, si je sneak comme ça, ça balance une explosion et ça transforme tout en bedrock. Boum. Et ça me donne du stuff. Et pas n'importe quel stuff, ça me donne vraiment du stuff ultra cheaté. Oh là là, on a une pioche en diamant juste ici. Oh let's go, efficacité 3. Oh ici on a une efficacité 4 unbreaking. Wow, mais ici il y a plein de stuff. Mais pourquoi il y a du stuff qui éjecte un peu partout? Mais là il y a vraiment du stuff en diamant partout là. Oh là là, P4 unbreaking. Non mais c'est... Oh là là les gars, je suis full diams. On a même des blocs de diamants là. Mais les gars, mais regardez-moi ces blocs de diamants qu'on a. Bon bah voilà, regardez, on est déjà full stuff en diamant. Et du coup si je fais clic droit, bah je peux carrément voler avec le bâton. Du coup ça m'aide énormément. Je peux même faire une plateforme en bedrock. Là c'est vraiment trop cheaté. Et là si je suis en manque de stuff, boum. Et vraiment grâce à ça on peut déjà avoir toutes les underperles requises. Oh là là, l'ender dragon il aura qu'à bien se tenir. Mais ça c'était que le premier craft. On va en avoir encore plein d'autres. Vous savez quoi, je vais faire plein de petites explosions et on va essayer de récupérer un maximum d'underperles. Boum, boum, bam, boum.
Et bam. Et touc. Ok, parfait, je crois que j'ai ce qu'il faut. Let's go, j'ai un stack de perles. Et d'ailleurs, j'ai 17 pommes de nuts. Non mais là, on est vraiment trop bien là, c'est quoi ce data pack? Je peux voler et mettre des items. D'ailleurs, on a eu un petit peu d'obsidienne. Faut que je repasse sur mes pas pour récupérer tout l'obsidienne que j'ai loupé. Comme ça, on va pouvoir se faire directement un portail du Nether. Hop là, un petit peu d'obsidienne. Oh, ici, il y a pas mal d'obsidienne. Let's go. Hop, on récupère. Hop là. Ok, on a pas mal d'obsidienne, c'est parfait. Et du coup, maintenant, on peut se faire directement un autre craft. C'est celui de la pioche en bedrock. Boum. Elle ressemble à la pioche en display, sauf que bah c'est pas pareil. Il y a une bedrock dessus. Et hop, la différence, elle est là. Et du coup, si je casse... Oh, ok, d'accord. Ça fait du 3x3, d'accord. Eh, c'est pas mal en vrai. Et si je sneak comme ça vers le bas... Oh, what? Ouah, ça me fait un chemin. Ouah, et en plus, ça va jusqu'à la bedrock vers le bas et ça casse la bedrock même. D'ailleurs, il y a du diamant ici. On va aller le récupérer directement. En vrai, on en a même pas besoin en vrai de vrai. Ça, par contre, c'est vraiment bien pour faire des chemins pour remonter à la surface. Par contre, c'est trop cheaté, les gars. Mais qu'est-ce que c'est que ce data pack? Vraiment, là, je suis là. Boum. Oh là là, non, non, c'est trop. Mais regardez-moi ça. Je peux faire vraiment des tranchées énormes. Bon, maintenant, pour le prochain craft, il faut que je fasse cuire une cobblestone. Ok, parfait. Je me fais 3 minerais de bedrock. Boum, boum, boum. Je les place comme ceci. Je mets la stone et de l'obsidienne autour. Boum. Et normalement, je sais pas qu'est-ce que c'est ça. Bedrock météore. Les gars, je pense que c'est une météorite de bedrock. Il va falloir que je fasse très attention. Mais juste avant, il faut que je récupère un tout petit peu de redstone pour le prochain craft. Du coup, c'est facile. Regardez, j'ai fait une petite tranchée. Et regardez, hop, il y en a un juste ici. Parfait. Merci beaucoup. Il faut que j'ai de quoi me faire un bloc. Parfait. Du coup, bah, je pense qu'on peut remonter à la surface pour tester la météorite de bedrock qui est juste ici. Oh là là, c'est tellement simple de remonter à la surface grâce à ça. Et boum! Directement sur la surface. Salut les gars, je suis sorti et je suis complètement cheaté. Par exemple, on va tester directement le truc de météore. Boum! Qu'est-ce que ça fait? Oh, ça balance une météorite sur moi! Ok, il va falloir que je fasse très gaffe. Ça balance directement une météorite, mais sur moi. Ouah, c'est chaud ça par contre. Heureusement que je suis quasiment full protection 4. On va réessayer du coup. Oh, ok, ça balance vraiment une météorite et waouh! Ah ouais, d'accord, c'est vraiment cheaté quoi. Waouh! Ok. Et dire que j'étais quasiment en dessous de cette météorite tout à l'heure et que ça m'a enlevé à peine la moitié de ma vie. D'ailleurs, je viens de trouver un autre village. On va y aller, on va dormir directement parce qu'il y a beaucoup trop de mobs. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer les autres items parce que je pense qu'ils vont être super cheatés. Salut les villageois et hop, on dort. Et voilà, il fait jour. Ok, pour ce craft, on aura besoin d'un levier parfait. J'en ai fait un. On aura besoin de 2 minerais de bedrock et de 3 bedrock. Par contre, ça ressemble à un arc. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas, le craft me fait penser à un arc. Et hop, on le prend. Ok, c'est carrément pas un arc, c'est un bazooka, on dirait, ou je sais pas qu'est-ce que c'est. Bedrock Launcher. Non, mais regardez-moi la dégaine de ce truc. Non, vraiment, j'ai pas envie de tirer là, mais c'est quoi ça? Bon, on va essayer sur la maison d'un villageois et boum, directement. Oh non, qu'est-ce que ça va faire? Oh, non, bah, ça a rien fait. Attendez, est-ce que vous pensez que ça fait pas de dégâts? Ah si, ça fait des dégâts, mais je crois que ça fait juste des dégâts de vie. Attendez, on va essayer sur le golem juste ici. Hop là, boum. Ok, ça fait juste des dégâts de vie. Ok, très bien. Boum, boum. Bon, par contre, ça fait pas énormément de dégâts là. Regardez, mais il met 10 ans à mourir. Et pour la dégaine du truc, moi je m'attendais à un truc qui one shot et qui pète tout autour de soi. Et finalement, bah non, ça one shot même pas. Je sais pas ce que ça fait. Attendez, je vais essayer de faire ça en dessous de moi. Et non, ça fait rien du tout. Bon, on a eu le premier item qui nous a un peu déçu. Mais bon, c'est pas très grave, on va en faire un autre. J'aurais besoin de 5 minerais de bedrock et un stick. Du coup, hop, boum. Voilà, et tac. Qu'est-ce que c'est que cet item, les gars? Il est tout petit. Regardez, on dirait une fourchette. C'est une fourchette là ou c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Oh, regardez, je peux manger directement bah, des blocs. Est-ce que je peux manger vraiment n'importe quel bloc? Et mais oui, je peux manger n'importe quel bloc. Et regardez, ça me donne régénération 3. C'est trop cheaté. Voilà, hop, là je mange de la terre. Voilà, hop, je la mange carrément. Et est-ce que je peux manger les mobs? Et non, je peux pas manger les mobs. Bon bah c'est pas grave. Mais en tout cas, bah j'ai même plus besoin de bouffe. Hop, la bouffe, je la jette, j'en ai plus besoin. Non, vraiment, ce data pack, il est trop trop bien. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez me dire dans les commentaires sur ce data pack. Mais vraiment, moi j'ai rien à redire à part pour cet item un peu nul mais qui est hyper badass. Bon, par contre, il me faut encore un peu de bedrock. Je vais en mettre un petit peu partout et bah je vais la miner directement. Ok, j'ai 45 de bedrock, ça devrait le faire. On va se faire 11 minerais de bedrock directement. Et du coup, là, on va faire un truc qui ressemble un petit peu à une épée, j'ai l'impression, au niveau du craft. On va essayer ça. Boum! Oh oui, d'accord, c'est une épée. Ouh là 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 là, mais c'est quoi cette épée, les gars? Est-ce que je tente de faire clic gauche? Ok, clic gauche, ça fait rien. Et clic droit. Oh! Clic droit, ça fait un truc, regardez! Oh, attendez, je vais essayer sur les PNJ là, juste ici. Ok, oh, il met du. Oh, ça meurt, ok, d'accord. On va essayer directement sur le golem, juste ici. Allez hop! Oh là là! Ok, la vie qui perd! Est-ce qu'il va mourir ou pas? J'ai l'impression. Ok! Et oui, il est mort, mais c'est... Attends, mais il est mort hyper facilement, en vrai. Bon, après, je lui avais déjà mis des dégâts, mais quand même, c'est assez cheaté. On va essayer d'abord sur une vache, let's go. Ok, ah ouais, d'accord. Bon, d'accord, c'est vraiment cheaté, ok, c'est vraiment bien. Bon, mets un like, sinon je te mets directement bah, des dégâts avec cette épée en bedrock. Bon, bah, cette épée est vraiment pas mal. Hâte de voir ce qu'elle va faire sur l'Ender Dragon. Mais avant, il nous reste un petit dernier craft à faire, et ensuite, on ira dans le Nether pour choper les Blaze Rod, et pour finir, tuer l'Ender Dragon. Du coup, pour ce craft, il nous faut encore un levier,
Parfait. Il nous faut un bloc de redstone, une épée en diamant, bah pas enchantée, et quelques trucs, voilà, comme ça, hop, on pose ça, bam, bim, boum. On dirait un craft un peu aléatoire, mais pourtant, non, c'est vraiment un truc, boum. Et du coup, c'est ça, c'est une sorte de pistolet. Il ressemble un peu au bazooka, là, un peu nul. Donc j'espère qu'il est pas nul. On va l'essayer directement, bah, sur les cochons, là, voilà, hop, vas-y, parfait. Oh, quoi? Ça fait à peine le même truc que... Oh, quoi? C'est cheaté, ok, c'est vraiment cheaté. En fait, ça le charge, ok, donc là, il est en train de se charger, et d'un coup, il va balancer directement une grosse explosion, et ça a tué en one shot directement le cochon. Ok, donc ça, c'est vraiment bien. Je vous montre en F5 pour voir ce que ça fait. Hop, ça charge, et d'un coup, boum! Et ça tue le cochon. Bam! Ok, c'est vraiment bien. Bon, bah, je crois qu'on a tous les items en bedrock. Bon, bah, je pense qu'on est paré pour aller dans le nether. Il me manque un petit peu d'obsidienne, du coup, hop là, on pète ça, et let's go, on a un petit peu d'obsidienne. Parfait, on a clairement ce qu'il faut. On va poser directement le portail juste ici, let's go. Voilà, et on se fait le briquet, boum, et bam! Le portail du nether est juste ici. Bon, je crois qu'on va devoir y aller. Ça devrait être assez simple de trouver une forteresse grâce à cet item. On va pouvoir carrément voler au-dessus de la lave, donc normalement ça devrait le faire. Allez, 3, 2, 1, let's go! Wow, ok, je viens d'atterrir. D'ailleurs, j'ai un peu le seum parce qu'on est à côté d'un biome Enderman, mais on n'a plus besoin d'Enderpearl. D'ailleurs, j'ai un peu faim, hop, je mange ça, voilà, parfait. Bon, adieu le biome Enderman, moi je vais chercher une forteresse directement. Bon, est-ce qu'il y aurait une petite forteresse par ici? De toute façon, les gars, on est super cheaté, on n'a plus besoin de quoi que ce soit. Il nous faut juste des blaze rods. Pour le moment, je ne trouve pas de forteresse. C'est un petit peu relou, mais bon, de toute façon, on va continuer, les gars. J'ai fait un petit chemin et je vais facilement retrouver mon portail grâce à ça. Oh, let's go, une forteresse! Parfait, j'ai vraiment eu aucune difficulté de le trouver. En plus, j'ai fait tout un chemin de bedrock jusqu'à mon portail. Du coup, ça va être super facile. Oh, il y a un ghast! Je vais essayer de tuer le ghast avec ça. Hop, boum, on va essayer de le tuer. Est-ce que ça va le tuer? Allez, s'il te plaît, touche, touche, touche. Ah, j'ai loupé. Oh, let's go! Ok, ça one-shot le ghast. C'est pas si nul que ça, en fait. Bon, bah, parfait. En vrai, on a que des items ultra cheatés. D'ailleurs, j'ai un petit peu faim. Et d'ailleurs, on peut se servir de cet item pour casser directement les blocs, en fait. Et d'ailleurs, est-ce que je peux manger de la bedrock avec cet item? On va essayer. Hop. Et non, je ne peux pas. Allez, tiens, prends ça. Oh, par contre, l'épée, elle est trop cheatée. L'épée, elle est vraiment trop forte. Allez, hop là, c'est facile. Hop là, juste ici. Voilà. Allez, meurs. Parfait. Voilà. Toi aussi. Allez, hop, tu meurs. Boum. Par contre, je viens de tuer au moins 5 blazes et ils m'ont donné aucune blaze rod. J'ai l'impression qu'il va falloir que je les tape à l'épée normale parce que j'ai l'impression qu'ils donnent aucune blaze rod. Let's go, on a un spawner juste ici. Allez, boum. Parfait, on a notre première blaze rod, il nous en faut 8. Boum, boum, bam. On va essayer cet item directement sur les blazes pour voir si ça les one shot. Ok, il y a un blaze, let's go, on va voir si ça le one shot et boum. Ok, ça l'a one shot. Mais par contre, ça a pas donné de blaze rod. Boum, 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 let's go. Et boum. Plus qu'une seule blaze rod. Bam, bam, let's go. On peut déjà partir du nether. On a les 8 blaze rod. Bon bah du coup j'ai plus qu'à suivre le chemin que j'ai fait directement et je serai de retour au portail. Ah, je surkiffe ce datapack. Allez, de retour au monde normal. Let's go. Wow, ok. On va reprendre l'épée en bedrock dans les mains. Et d'ailleurs j'avais pas vu mais elle fait 22 d'attaque de mage. Ça veut dire que j'ai juste à donner un petit coup comme ça. Boum, et tout le monde est one shot. Allez, boum, boum. J'avais même pas vu, j'aurais dû faire ça avec les blaze. Ça aurait été beaucoup plus facile. Bon, c'est pas grave, on va se faire directement les yeux de l'end, boum, et c'est parti pour trouver le stronghold, et boum. Ok, c'est dans cette direction, est-ce que je récupère la perle? Et oui, parfait. Et du coup, j'ai juste à avancer dans cette direction pendant un petit moment et rebalancer une perle jusqu'à trouver le stronghold. Oh, mais encore un autre village, mais ça fait le troisième village qu'on trouve de la vidéo. On va rebalancer une perle, ok, c'est un peu sur le côté. Bon, par contre, les mobs, vous me saoulez, hop, one shot et one shot. Oh, let's go, c'est en dessous. Bon, bon, vous savez quoi, on va juste faire ça, boum, parfait, ça va descendre jusqu'en bas et on va peut-être trouver le stronghold, attention. Ok, parfait, on a le stronghold, il est juste ici. Oh là là, cette pioche est beaucoup trop cheatée. Hop là, me voilà directement dans le stronghold ultra facilement. Il faut que je trouve le portail. Du coup, bah, je vais refaire ça directement. Hop là, et on va voir si on peut tomber directement sur le portail. Oh, mais wesh, regardez-moi tous ces silverfish. What the fuck? Attendez, on va tous les tuer comme ça. Voilà, allez, mourez, mourez, mourez. Ok, parfait, je les ai tous tués. Let's go. Et oh, oh non, j'ai cassé le portail de l'end. Oh là là, mais je suis trop bête, mais comment je vais faire? Oh purée, let's go, ils sont là. Ok, ils ont été drop par terre. Ça veut dire que je vais devoir reconstruire le portail moi-même. Ok, j'ai reconstruit tout le portail de l'end. Bon, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour m'encourager à tuer l'Ender Dragon. Et sur ce, je crois que je vais devoir affronter mon destin. Ce datapack est incroyable en vrai. Boum, 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 et let's go. Allez, c'est parti, on va sauter directement à l'intérieur. Let's go. Ok, me voilà directement dans l'end. L'Ender Dragon, j'arrive. Et avec plein d'items en bedrock. Donc fais attention à toi. On va essayer directement de balancer ça pour voir. Est-ce que je peux péter un truc avec ça? Et non, ça le pète pas. Est-ce qu'avec ça, je peux le péter directement? Et oui, parfait. Ok, je peux péter les Ender Crystal grâce à cet item. Parfait. Hop, je vais là. Est-ce qu'il va se péter? Et oui, parfait. Et je crois même que ça pète les trucs qui sont enfermés. Et oui. Oh là là, c'est trop cheaté. Hop, j'en balance une là et une là. Hop, normalement, ça va tous
juste les péter. Est-ce que ça va le péter? Parfait. Je vais juste casser ça pour avoir un peu plus de visibilité. Voilà. Et normalement c'est assez simple. Je le pète. Parfait. C'est trop cheaté. Dès que j'ai pas la visibilité, bah en fait j'ai juste à faire ça. Boum. Je casse tous les trucs. Et hop, je vois directement l'Under Crystal. Et j'ai plus qu'à tirer et le péter. Boum. Ok, boum. Et bam. Ok, boum 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 boum. Et bam. Bon bah j'ai pété tous les Ender Crystal. Et regardez à quoi ressemblent les tours maintenant. Elles sont toutes cassées à cause de moi. Bon bah c'est parti, on va manger une pomme cheatée. Et on va attendre qu'il arrive directement avec notre épée qui fait 22 d'attaque. Normalement ça devrait le faire. Et d'ailleurs pendant qu'on va l'attaquer, on va lui mettre une météorite dans la tête. Oh regardez, il est juste ici. On lui met une météorite. Boum. Ok, ça a absolument rien fait. Oh regardez la vie qu'il perd. Oh la vie qu'il est. Oh la vie qu'il est en train de perdre. C'est incroyable. Oh, je sais pas si vous avez bien vu, mais en tout cas on lui a fait trop trop mal. En fait l'attaque clic droit est ultra cheatée en fait. Je pense vraiment que la prochaine fois qu'il va descendre, il va mourir. Allez, viens de battre. Oh mais attendez, je peux le toucher de super loin. Je l'ai touché, regardez. Là il va mourir. Oh let's go. Regardez où est-ce qu'il est mort. Il a même pas eu le temps de revenir ici qu'il est mort. Attends, mais attendez, mais il est mort carrément pas au bon endroit. Mais ah ouais, ok, c'est bon, ça a marché. Oh là là, la vitesse où on l'a tué avec cette épée. Oh mais je m'y attendais pas. En fait, je peux taper de super loin avec cette épée. Vraiment de super super loin. Et boum. Bon bah on a tué l'Ender Dragon, c'était hyper simple. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre mon Discord dans la description. Et sur ce, boum, grosse météorite et je me casse. Ciao.